cheese ain't nothing. Hey. You ain't gotta like it cause the hood don't love it. Hey. You ain't gotta like it cause the hood don't love it. Hey. Watch a young nigga show his ass I'm puffin'. Hey. Hey. I got the whole block fuckin'. Hey. You ain't gotta like it cause the hood don't love it. Hey. You ain't gotta like it cause the hood don't love it. Hey. Et salut tout le monde, ici Dead Hunter, on se retrouve pour une vidéo qui va être un peu plus longue que les autres puisqu'on va faire un piège, enfin pas un piège mais comme un générateur de ressources à mob. Et comme d'habitude, nous sommes en présence de Mister Angel. Salut Mister Angel. Salut. Bah on va commencer, d'abord vous prenez les outils que vous voulez, hein. C'est nous on fait ça parce qu'on est en créatif. Là j'ai fait 3, vous faites 30 de hauteur, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ensuite, une fois que vous avez fait 30, vous prenez vos pierres, vous faites comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme une croix au niveau de tous les tours. Et en fait, ce piège consiste à. De toute façon, vous verrez. C'est pas un piège. Pas une sorte de piège, en fait, c'est une sorte. Si on veut voir à la fin de la vidéo, on va mettre des sorts d'entonnoir par terre. Et en fait, quand les monstres vont tomber en bas, ils vont être morts et leurs ressources vont directement aller automatiquement dans le coffre. Et en fait. En gros, on peut appeler ça. Un générateur de ressources à mob. Non, un monstre. Parce qu'il n'y a que des monstres qui apparaissent dans le noir, pas les moutons ni les vaches. Ouais, voilà. Un générateur de ressources, un monstre. Ouais. Tiens, t'as qu'à m'aider à finir l'autre côté au pire. Ouais. Bah attends, j'arrive. Bon, ça c'est vraiment c'est simple à construire puisque vous pouvez prendre les matériaux que vous avez envie. Mais par contre, vous verrez une fois que je serai en bas, je vais vous préciser un peu plus ce qu'il faudra faire. Vous allez voir que c'est vraiment très efficace et que si vous construisez ça en mode survie, vous allez voir que franchement, pour avoir les os, les flèches, la viande aux zombies, tout, vous allez voir, ça va être très très facile. Comme je vous l'ai dit, c'est pas compliqué du tout à construire, hein, même si vous êtes en survie. À la limite, vous pouvez même mettre un petit carré d'eau et vous sauter dedans une fois que vous. Non, même pas. Ou une échelle. Hein. Non, pas ça. Vous pouvez à la limite même mettre un lit juste à côté de la barre en dessous. Après, vous dormez dedans. Après, vous tombez, vous mourrez et vous apparaîtrez juste à côté du lit. Et comme ça, vous reprendrez bateau. De toute façon, ils peuvent pas mourir. Tu mets un petit truc d'eau et tu redescends. C'est assez simple. Ouais. Alors, ensuite, ça, on va le détruire. Sur la plateforme qui est en haut, fait les murs. Ouais, d'accord, attends. Ben, c'est bon, voilà, comme ça. Voilà, moi je vais faire la tour. On va faire en pierre taillée, c'est ça? Non, pas ici, fais là. Regarde. Tu fais ici, toi, tu fais les murs au-dessus sur la plateforme. Ouais, bah attends, je vais faire. Moi, je vais faire l'espèce de tour, moi, ici. On va faire en pierre taillée, ça. Attends. Tu vas voir comment je vais faire ça. De toute façon, nous on peut faire, c'est en créatif donc les ressources, ça c'est pas très important, mais. Bah, c'est non plus pas du tout important, c'est juste qu'on monte ça pour le mode survie. Ouais. Parce que, d'après ce que j'ai compris, pas mal de gens aiment bien le mode survie, bah, grâce à ça, vous aurez pu à vous embrouiller à sortir de la nuit pour chasser les monstres. Ah oui, je voulais vous montrer quelque chose suivant aux autres pièges de. Le premier piège du premier épisode, d'ailleurs, qu'on m'entendait pas très bien, je suis désolé. Et je voulais montrer, en fait, quand il y a les monstres, la nuit, une fois que le jour se lève, les monstres ils viennent se réfugier à l'ombre. Et donc s'ils sont à proximité de ce piège, ils viendront tout seuls ici. Donc c'est ça qui est bien, que j'avais oublié de vous préciser. Et je voulais aussi vous dire quelque chose sur la chaîne, c'est qu'il est possible que je fasse des vidéos tout seul sans mon frère. Vous allez voir à la fin de la vidéo une fois qu'on aura terminé le piège, de toute façon vous allez tout comprendre direct et vous allez voir, c'est super simple. Après faut surtout pas tomber, c'est tout, hein. voilà là la tour c'est jusqu'en bas, hein.
quand vous pouvez le constater, c'est très simple de la faire. Faut faire attention à pas tomber, c'est tout. Ouais. Et il faut mettre aucune lumière, que ce soit ici, que ce soit ici dans la tour que je suis en train de faire ou ça là. Voilà. Que ce soit le plus sombre possible. Ouais, en fait, dans la tour que je rends de reboucher le toit là, il faut mettre aucune lumière parce que vous comprendrez le système après. Ouais. Voilà. Bon, j'ai terminé les structures. T'as qu'à m'aider pour la tour en bas. Ouais, je t'aide pour la tour là. Voilà. Le plus long, ça va être ça. Hein. Le plus long, ça va être vraiment. Ouais, parce que c'est quand même assez haut, mais bon, il faut de la hauteur pour que les monstres meurent. Sinon, ils meurent pas et le piège ne marche pas. Voilà. Des fois, c'est possible qu'il y ait des araignées qui meurent pas, mais ça, je pense, c'est plutôt à cause de quand ils tombent, ils s'accrochent au mur. Ça, c'est possible. Mais en général, tous les pièges ne marchent pas pour les araignées parce que les araignées sont vraiment casse-couilles. Ouais. Et 3. Comme vous avez pu le voir, mes vidéos, je les sors en HD. Hein. Ça me prend un peu plus de temps à les upload, mais moi je trouve ça mieux. En plus, surtout que si on les met pas en HD, on voit pas tout l'écran de la vidéo, du coup bah c'est nul. Ouais, il me semble. Aussi, je voulais vous dire à propos de mon son, sûrement que vers le mois de septembre, mon frère il s'en achèterait un, il va me donner le sien. Du coup, normalement ce sera mieux pour le son, vous allez mieux nous entendre, enfin m'entendre moi. Parce que moi, mon casque, il est pas très... Enfin, ça fait longtemps que je l'ai, mais il tient quand même. Et maintenant, on m'entend plus très bien dedans. J'essaie de parler quand même assez fort. Donc, voilà. Comme vous pouvez le voir, vous m'entendez plus moi que lui. Donc, moi, septembre, je pense que je prendrai un micro et je donnerai le mien à mon frère. Voilà. Ici, normalement, vous avez bien regardé la vidéo du trou invisible, vous allez comprendre le piège. Ouais, voilà. Donc, si jamais il y a quelque chose que vous comprenez pas, dis-le nous dans les commentaires, on vous répondra avec plaisir. Comme vous pouvez le voir, ça fait... ça prend pas très non plus de temps. En mode créatif, c'est sûr que ça prend pas beaucoup de temps, mais après, c'est en mode survie que ça prend vraiment beaucoup de temps. Ouais, voilà. Là, vous laissez un espace pour mettre une porte et je vais vous expliquer juste après pourquoi. De toute façon, on va tout vous expliquer à la fin et vous allez tout comprendre. Voilà. C'est bon, ensuite, laisse-moi faire là. Je vais prendre une porte. Bah, attends, juste vite fait, à la limite, on peut faire ça. Ah non, ouais, ici, on va mettre des entonnoirs. Ouais, je sais, mais attends, pousse-toi, je vais leur expliquer. Ouais, attends, je remets juste ce bloc de fer. J'essaie de mettre ça comme ça. Voilà, vous mettez une porte parce que quand les mobs ils vont spawner. D'ailleurs c'est possible que ça commence déjà. Pourquoi il y a de la lumière en haut? T'as oublié de reboucher un trou en haut? Non, il n'y a pas de lumière en haut. Moi je vois de la lumière. Ah bon? Ouais. Ah bah c'était un bug. C'est bon, c'est bon, ouais, c'est bon. C'était un bug. Ouais, c'était un bug de lumière. Bon, ensuite, vous allez poser ici, vous allez vous faire une espèce de petits passages pour que vous puissiez passer de dehors. Voilà. Vous allez poser un coffre juste là. Vous allez poser un hooper là. Vous allez relier les autres comme ça. C'est vrai, vous voyez comme vous voyez, c'est vraiment simple. Hein. Je vais vous expliquer pourquoi on fait ça. Bon, après c'est sûr si vous voilà. Si vous avez pas compris le système de hooper, peut-être qu'on vous expliquera un peu plus tard dans une autre vidéo. Non mais de toute façon c'est super simple. Les monstres, dès qu'ils vont tomber, les ressources qu'ils vont lâcher, ça va y aller dans les hoopers. Par exemple, on va dire ça va dans celui-là, ça va traverser comme un tuyau et ça va emmener dans le coffre. Voilà. Et via dehors, comme je vous ai montré, je fais un petit espace, vous venez récupérer les ressources dans le coffre. Voilà, tout simple. Bon là ça le fait parce que j'ai pas activé les monstres, d'ailleurs je vais le faire pour vous montrer ça direct. Voilà. En mode difficile. Bien qu'il y a beaucoup de monstres qui spawn. Mais hardcore. Bah ouais, bah c'est bon, j'ai mis encore. Il faut mettre les pas. Tiens, bah si vous avez bien regardé le trou invisible, ici là, on va mettre des panneaux. Voilà. On va mettre des panneaux pour que. Tiens, bah il y a déjà un creeper qui a spawné. Ouais, voilà, je sais pas si vous voyez, il y a déjà un creeper là. Il y a déjà un creeper. Et en fait, les panneaux, ça va. Ça en va fait, faire on va... qu'il, voilà, il verra pas le trou. Il verra pas le trou, du coup, il va tomber dedans. Après, du coup, il va mourir.
les ressources qu'il va lâcher vont aller dans les hoopers et après ça va aller dans le coffre et vous récupérez les ressources. Voilà. Donc ça, vas-y, sors de la maison pour qu'on leur montre. On va attendre. On va attendre qu'il tombe parce qu'on voit quand il tombe. Et y a toutes sortes de monstres hostiles qui spawnent en haut. De toute façon, si vous connaissez bien Minecraft, vous savez que dans le noir ça spawn. Hein. Je suis sûr, il y a même déjà d'autres monstres spawnés là. Ouais. On va regarder ça. Dis-moi si jamais t'entends un monstre qui tombe. Bah là, il y a une araignée, il y a un creeper qui a spawné. Tiens, l'araignée elle est tombée. Et voilà, l'araignée. Elle est tombée et je vais vous montrer ça tout de suite. Non, il y a rien dans le coffre, elle a rien lâché l'araignée. Elle a rien fait tomber, ouais, bah c'est pas grave. Ouais. En vrai, vous avez compris le système quoi. Et en attendant que ça fasse tomber un monstre, je vais vous parler juste pour les prochaines vidéos. Pour la prochaine vidéo, ça va être ça. Je vais pas trop vous montrer. Voilà, mais vous verrez dans la prochaine vidéo. Si quelqu'un sait ce que c'est, bah voilà. Et toute façon, dans la prochaine vidéo, je pense que je ferai la prochaine vidéo demain. Et voilà, c'est les pièges sont ce piège là il est mis au point, vous voyez, c'est pas très long non plus à faire, hein. Là voilà, il est mis au point, mais après faut vraiment que les monstres tombent. Voilà, de toute façon au début ça tombe pas beaucoup, mais une fois que ça a vraiment beaucoup spawné à l'étage, vous verrez que ça tombe, hein. Ça, j'ai fait des tests sur un monde avant. Et j'ai fait des tests sur un monde avant, le coffre il y avait au moins deux stacks de flèches, un stack de gunpowder. Non, même pas, parce que toi quand t'avais regardé, ça faisait longtemps. Après moi j'ai attendu encore un peu et quand j'ai regardé il y avait au moins 5 stacks de pour canon. Bah ouais, c'est, vous voyez, c'est vraiment c'est juste que là, ouais, faut vraiment que ça spawn plus. Ouais, en plus en hardcore ça va spawner un peu plus vite, enfin ouais. J'espère. Là il y a juste un creeper. Ah bah il est tombé. Normalement il va lâcher de la poudre. Voilà. Voilà. Je vais montrer dans le coffre. Et normalement vous verrez qu'il y a de la poudre encore. Et voilà, deux gunpowder. Donc vous voyez, c'est super simple. Moi je trouve ça super utile si en survie vous voulez des ressources à mob. Les hoopers c'est pas très très coûteux non plus, je pense. Les hoopers c'est simple. Bah au pire montre. Vas-y, montre-leur le craft. Ouais, le craft. Hein. Pour ceux qui veulent savoir, c'est le mode craft guide que j'utilise. Un hooper, c'est... Alors, je vous montre ça tout de suite. Si je l'ai pas passé, j'espère. J'arrive pas à le trouver. Ah, voilà. Ouais. C'est bon. Bah voilà, c'est juste un coffre. Et du fer, bah c'est super simple, hein, c'est pas du tout coûteux. En plus, surtout que si, je sais pas si vous connaissez le mode center, mais si vous avez le mode center, c'est très facile de trouver les minerais, du coup forcément vous trouvez du fer et voilà votre. Ouais, de toute façon, ouais, sur toutes les séries qu'on va faire, on leur montrera sur les vidéos présentation mode, on leur fera center, ils découvriront. Voilà. Pour l'instant, on a créé notre chaîne hier et déjà on a fait trois vidéos en une journée. On pourrait faire plus mais on veut pas trop trop faire d'un coup, donc pour l'instant on commence normal et on verra par la suite. Voilà, et en gros on fera des tutos c'est-à-dire exemple le mode center, on vous montrera comment installer center et la présentation du mode aussi. Ouais, pour que vous connaissez. Bon, là je sais pas pourquoi il n'y a pas mon ski spawn, je comprends pas pourquoi. Ouais, bah de toute façon c'est au bout d'un certain moment, nous sur là où on a fait nos tests, on a attendu pas mal de temps et après ça spawnait, ça s'arrêtait plus. C'est jusqu'au début, faut attendre un petit peu. Voilà. Bon bah voilà, hein, c'était Dead Hunter et Mr. Angel pour une vidéo tuto. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus. Salut.